Je m'appelle Héloïse Mansuy, j'ai 17 ans. Je viens de Metz. J'ai commencé le foot à la RS Mani avec les garçons. Et maintenant, je suis à la SNL féminine. Je suis en terminale ES à Clairefontaine. Après la Coupe nationale, j'ai dépassé le concours de Clairefontaine là-bas. Et ensuite, c'est là où j'ai été détectée. J'avais pas forcément d'inquiétude, parce que je voyais que des qualités. Donc. Écoutez, on l'a relativement bien vécu, parce que c'était quand même ce qu'elle voulait faire au départ. Donc on n'a pas eu trop d'appréhension en général. Et puis, tant qu'elle allait bien, nous on était contents pour elle. Donc dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. C'était une continuité logique. Ensuite, par contre, par rapport à son âge, je crois qu'elle avait 14 ans et demi. Donc là, c'était un petit peu plus angoissant par rapport au déplacement, les week-ends, par rapport au transport, je dirais surtout. Bon, au niveau du pôle, elles sont très bien encadrées, donc là, c'était rassurant. C'est un peu difficile. Je vais rester à Nancy, je pense, et ensuite, je vais voir au niveau des études. Je sais pas encore trop quoi faire, faut que je réfléchisse. Donc là, la difficulté va être de toujours lui permettre de jouer à haut niveau, et pourquoi pas rapidement même en division 1. Et donc là, on souhaite que Nancy puisse accéder, ce qui serait la chose la plus simple en région, ça permettrait de rester dans la région. Sinon ensuite, faudra certainement, sur un plan sportif, qu'elle envisage de rejoindre une autre grande ville, enfin un club qui sera en Ligue 1. Moi je pense qu'il ne faut rien lâcher, il faut tout donner. Moi je vise, je pense qu'on peut monter. Faut tout donner et on verra bien.